Ricardo Germain, expert en sécurité et en politique internationale. Monsieur Germain, bonjour. Nous comptons pour nous recevoir maintenant. Bonjour Monsieur Sénat, bonjour tout panel là et puis bonjour tout auditeur, auditrice. Bonjour, merci d'être ce que répondre avec une question nous et matin jeudi dernier, conseil présidentiel de transition, il est officiellement et prêté serment et installé et dans palais national avec une villa d'accueil là. Dans toute réaction qui t'a salué et prise de fonction conseil présidentiel là et au même tout dans la déclaration que madame Abraham t'a fait, il y a un point qui est toujours ressorti, à savoir le rétablissement de la sécurité qui imposait comme priorité numéro un que le conseil présidentiel là t'a dû attaquer. Mais entre-temps, Ricardo Germain, situation sécuritaire qui t'a gagné, défi sécuritaire qui t'a gagné l'année dernière ou bien avant le 29 février qui s'est date que Gagnon a mené des actions coordonnées pour te aboutir avec des premier ministre Ariel Henry. Défi ça, yo amplifié, yo changé. Yo point de vue global de vous-même sur situation sécurité là, avant de regarder qui ça conseil présidentiel là t'as dû faire pour établir sécurité dans le pays. Merci, c'est notre question. Parce que c'est une très belle question. Dans la mesure où tout le monde d'accord, je ne jure rien, le gros chantier pays a dû entamer ces questions de sécurité. Hein. Et justement, concernant l'y installer, je pense que ça figure dans l'agenda comme priorité. Mais parallèlement, bon point. Je pense que qui mérite de soulever, et que je ne pas trop parler de lui, c'est restaurer confiance dans l'État. Hein, okay? Donc, je ne pas vraiment prendre parole l'État pour un jour. Donc, pour restaurer confiance, je pense que y a un aspect qu'on doit prendre en compte, c'est communication avec la population. Et c'est peut-être très mal vu. Concernant depuis installation lui communiquer de façon individuelle. Donc c'est quelqu'un individu dans le conseil qui a communiqué et c'est pas un bloc. Alors que le conseil a donné l'impression son bloc qui soudé ensemble pour faire face à défi pays. Donc dans ce sens pour moi réussite conseil il primé pour tout haïtien parce que si conseil a échoué, ça prend pour plus grave au pays. Donc, sous plan, ça me pense que l'intéressant pour conseil qui commence par le travail pour lui tendre une série d'avis parce que question de légitimité, on est capable de tout, mais il faut attendre avis sérieux parce que tout le conseil n'est pas problème pays. Maintenant, pour question de sécurité, avant de tourner très rapidement, bon, c'est que, bien entendu, dans ce genre de situation, ça, en Haïti, et que ce soit ailleurs, contexte sécuritaire, le contexte de crise sécuritaire, est très mouvant. Et de fait, toutes les raisons, l'on dit que défi ont changé. Et défi ont changé si, à tel point que, à côté criminalité, a été toujours en conflit. Donc, on pas même qu'à parler de gang encore. Ou capable de parler de groupe armé. Groupe armé pour qui ça? Parce que monsieur, ça, on a appelé Gagnon, il vient porteur d'un discours politique. Il vient faire que il partie prenante de la crise. Discours politique, ça, il parle légitime en quelque sorte. L'on vient voir que bon série de médias, capable monsieur, ça, on parlait. Et puis, l'on vient voir que tout récemment, première dame Kenyan, il parlait avec le chef monsieur, ça. Donc, c'est, ils ont accepté en tant que tel, parce que dans l'autre pays, il y a des gens de crise, soit pour le Brésil, par exemple, et monsieur Gagnon, il n'y a pas de micro. En Haïti, c'est l'inverse. Il y a des micros, il y a parlé, il y a un discours politique qui peut être mal structuré, mais son discours politique quand même. Donc, tout ça vient dans une situation très compliquée, au point que des gens ont demandé si c'est pour amnistier ou pas. Tout ça, pour finir, c'est des véritables défis que pour conseil a supposé adresser avec tête froide. Est-ce que, sous simple base que y a porté des discours et politiques, et t'as dû faire nous parler au gang encore, alors que, même si y a eu des revendications, mais l'autre action que t'es mené, ou continue de mener, Moi-même, depuis longtemps, j'ai toujours penché pour l'appellation groupe armé et criminel.
groupe criminel, là, c'est-à-dire, on est capable de dire ça qui a rapport avec l'activité gang, bien entendu. Et puis, appellation groupe armé, toujours pour faire allusion, parce que ça date bien avant, de certains côtés que M. Sarou, un discours politique et même de revendication sociale. Pour moi, c'est, alors, selon envie personnelle, moi, c'est appellation, ça peut se poser correct, groupe armé et criminel, parce que, parallèlement, c'est que, ou bonne situation de criminalité, qui transnationale en même temps, mon bonne situation de conflit. Donc, c'est par aspect conflit, hein, qui fait, moi, surtout, penser personnellement, sur appellation, moi, bah, là. Conflit de qui est-ce? Pas seulement conflit. Conflit qui est-ce? Qui est-ce? Son conflit qui était entre groupe criminel à groupe criminel, bien que de temps en temps, ils ont fait des alliances, ils ont construit des alliances, son conflit entre des groupes criminels avec la population, puisqu'ils ont attaqué des communautés, et ce que fait mon après courir quitter la caillou, et c'est un conflit entre les groupes criminels et autorités étatiques, soit prendre en compte l'implication police nationale d'Haïti et puis les forces armées d'Haïti dans ce théâtre là. Mais dit que yo un conflit, est-ce que c'est pas ta bail une certaine légitimité avec action que yo a mené, et puisque la police a pas affronté gang, la police pas en conflit avec gang, la police a rétabli autorité l'état, la rétabli la paix, la rétabli la sécurité. Dit que un conflit armé entre gang et force de sécurité, c'est pas ta légitimer et prise d'armes. Non, loin de là, m'pas légitime. C'est juste que mon théorie, ça m'a essayé de faire comprendre, c'est que l'on a un contexte, ça, il y a parlé de criminalité hybride. Côté action criminelle, yo, et yo vin nier à des revendications, politiques et même sociales. Donc, c'est là, ça parle de que, pour exemple, pour me piquer avant, par exemple, dans le pays, soit pour M. Fakio dans le temps en Colombie. Donc, c'est des groupes qui ont une revendication politique, qui ont une idéologie gauchiste, d'un côté que, y a une lutte politique, mais ils viennent verser dans des attentats terroristes. Donc, ils reconnaissent comme des criminels. Ça n'est pas parce qu'on a un conflit qui fait que, ça veut dire que, ou légitime ou pas des criminels. Non, c'est pas la moyenne. Okay. Et bien entendu, mais la police dit que, tout le monde point qui est intéressant, l'autre dit que, par exemple, la police a attaqué bandit, c'est restaurer, la restaurer, autorité de l'État. Mais, depuis quelques temps, c'est pas même la police, non, pas attaqué bandit, c'est bandit qui a attaqué la police. Donc, c'est pour nous que, c'est la dynamique, ça, qu'on allait, parce que, on pense que nous supposons saisir complexité crise dans toutes dimensions li, parler de criminalité seulement ne peut pas bien aborder des problèmes. Maintenant, je dis là, monsieur Germain, je peux maintenant dire, je dis là, ça ne peut pas considérer comme revendication gang criminel. Et gagner environ en tout cas ça c'est une année de ça, yo des gang des revendications, yo besoin l'école, yo besoin de santé dans communauté, yo besoin de faire assainissement. Et, y a besoin d'école professionnelle dans la communauté, c'est ça qu'on t'a dit, il y a plus passé un an. Mais, dernière année, ça, et, c'est pas ça que revendication encore, puisque de fait, c'est même qu'à craser pour bagaille qui est dans la communauté, yo. Je t'ai, toute infrastructure qui est dans la communauté, qu'il s'agit des infrastructures pour l'école, pour l'hôpital, pour même l'église, même, yo attaqué. Je dis à la santé, on procéder comme revendication, yo, jamais. Non, revendication est claire, c'est que, yo m'a dit, alors, suivant le discours, c'est pour y représenter l'institution décisionnelle. Yo. Donc, pour y avoir un pouvoir qui peut définir. C'est ça, on m'a dit. Et de fait, alors, ça, pour comprendre avec Jean de Poussa, les autres ont revendication et puis revendication à l'image pour passer, ils sont là pour aller jusqu'à l'extrême. Ils sont là pour y aller jusqu'à l'extrême et aller jusqu'à l'extrême dans le cas en Haïti. Yo vinn joindre un discours
nous sommes capables de dire qui encourageait autour aller jusqu'à l'extrême. Qu'est-ce qu'on n'entend pas là? Et parallèlement dans le pays, hein, depuis quelques temps, on a un bon discours côté que désacraliser toute bagaille. L'église désacralisée, depuis avant même, situation était là, monte qui était pas à l'école, parents démissionnés, toute bagaille désacralisée dans le pays. Hein. Et au point tel que désacralisation, ça n'a pas là, et il y a des bagailles depuis bien avant le pays. C'est dans l'église, même mieux faire. Entrer à massacrer mon dans l'église et entrer pour mon exécuter devant l'église. Donc, depuis longtemps, on a assisté avec ça. Et puis, ça avait nous permettre, justifier, monsieur, yo, non, pousser et puis loin, et on était capable de dire, action, yo, pour y arriver, joindre les revendications, pour y arriver, atteindre les revendications, yo. Mais Daniel, est-ce que parole oui, c'est vrai, vous m'entendez, m'entendez. Donc c'est vrai que les têtes vivent ensemble et Déjà, c'était des groupes qui étaient ennemis, qui pas de même intérêt économique capable de dire. Okay? Mais par contre, quelque part, bon bagaille qui rejoignent. Donc, il parlait de amnistie, qui parle un mot qui est innocent. Tout d'accord sur ça. Ok? Donc, là, c'est mot ça, j'ai l'impression qu'il cimentait, en dépit de toutes les divergences d'intérêts qu'il était capable de gagner. Comment Allô? aborder, oui, non, Oui. oui. Comment aborder les revendications et selon vous-même, M. Germain? Est-ce que vous êtes capable de vous dire pour moi? Est-ce que c'est rétabli l'équipe de la terreur là, puisque c'est l'homme a fait violence, une voix attendez, c'est la violence. L'homme a fait violence. Oui. Est-ce que c'est faire face carrément avec eux, éradiquer eux, mettre eux en état de nuire? Et vous voulez dire hors d'état de nuit là pour la police mettre hors d'état de nuit ou bien pour bon la paix? La police et éventuellement force multinationale qui peut venir. Déjà, son question est difficile pour répondre parce que même quand un groupe porteur d'une revendication, gain ça lui dit, gain ça lui pas dit. OK? Effectivement, ça, pour nous comprendre, là où on peut parler avec langage violence, les pousser violence en loin, les pousser des fois vis-à-vis, hein, si vis-à-vis à pas répondre à la violence, là, pour dialoguer avec elle. Et faut moi que depuis quelques temps, en fait, dialoguer avec M. Sayo, quelques temps à discuter, depuis bien avant la situation arrivée, côté le rivière là. Donc, gain ça tout. Aborder les revendications, ça parle dépendre de conseils hein, avec le nouveau gouvernement Kapoutea. Bien que moi-même, personnellement, cette affaire d'amnistie le bâtiment 1 le bâtiment parce que nous avons plus plutôt penché pour savoir les repentis et qui sont concepts utilisés en Italie. C'est pas dire que repentis ou plus j'ai nous. Ou puis j'ai peine, et puis yo pardonné, c'est pas ça pour y en a mission comme ça, donc ça c'est avis personnellement. Donc monsieur, même yo gagne intérêt, yo pense quoi amnistie, donc moi-même personnellement, c'est pour cela que je pense que je suis posé adresser bagaille ça. Bon. Maintenant, Allô, allô? nous là, hein? Et il y a quelqu'un qui a regardé et conseil présidentiel là et configuration li et puis qui a regardé gang yo tout et qui pense que le fait que conseil présidentiel là li mosaïque avec plusieurs partis politiques et moun yo de toute origine et gang yo tout et dans un moment ou dans l'autre te gagné parti politique ça ou bien moun qui était dans business qui te gagné recours avec gang yo ça qui fait que moun gen de moun qui pense que communication de conseil présidentiel là avec gang yo c'est un bagage qui possible puisque gagné anciens amis anciens alliés gang yo maintenant qui dans conseil présidentiel là et où elle comme ça. Ma welcome ça bon c'est que ben c'est des déclarations qui accusatrices parce que
parler de allier avec conseil là parce que quelque part quand tu as une déclaration publique pour dire que moi allier avec tel monde qui m'a conseillé là donc par compact pour moi je pense que là c'est totalement de la politique et qui dit politique faut approcher question ça avec prudence donc je ne suis pas fait une penchée pour partir ça par contre ça nous doit d'accord sur lui c'est que le dernier événement ça yo et peut-être à dessein ou bien peut-être et t'es capable de dire moi peut-être que sans le vouloir monsieur et groupe criminel yo yo joue un gros rôle parce que c'est sous pression yo et aéroport pas capable d'ouvrir jusqu'à présent aéroport pas capable d'ouvrir et donc je viens sentir que si quelque part bon nouvelle ère politique qui est annoncée dans le pays hein, et côté que bon conseil présidentiel pour le nouveau gouvernement donc il y a pour quelque chose et de fait il faut comme il faut que récompenser donc bien pressentiment ça tombe et quelque part bon côté et monsieur yo et bien que nous que donc c'est tout ça et tout dans le contexte des que c'était capable de coïncidence. C'est connu de tout le monde que les gangs étaient utilisés dans l'histoire pays à des faits politiques. Et ça sont des qui sont vérité évidente, si on est capable de dire ça comme ça. Et le conseil présidentiel là tout, en plus le parti politique qui est représenté là-dedans, c'est le parti politique qui a ferraillé sous échiquier depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, on ne peut pas se voir trop vite, on ne peut pas écarter possibilité pour. Alors, mal trop vite, non, je ne veux pas prudent, je ne veux pas avancer aucune accusation sans baguer des bagages qui sont palpables. Parce que pour qui ça, bon aspect pour nous prendre en compte, c'est que le conseil présidentiel là, son conseil qui inscrit dans le schéma inclusif, tout le monde là-dedans. Donc c'est ça que ouais, j'ai gagné jusqu'à 7 conseillers présidentiels plus 2 observateurs et puis on met il y a de partis politiques qui mettent des accords. Okay? Donc son bail qui est inclusif et tout le monde là-dedans et pays Jean-Pierre Mouremendil, son type la mère, tout le monde, bon monde, et monsieur et criminel, yo, et au bon proximité géographique et sociale avec un série de monde dans le pays, hein. Donc, c'est assez difficile pour répondre, oui ou bien non, et que, acteur actuel, yo, y a bon lien avec, monsieur criminel. Maintenant, on va regarder, la pour retourner dans la question de démantèlement gang yo et défi que le groupe armé représentait. Avant 29 février, c'était une réalité dans le pays. Après le 29, gang yo continue à prendre plus de territoires. Et la police est de moins en moins présente dans plusieurs points dans la région métropolitaine. Là, m'a passé avec toutes les plaines du cul de sac là qui paguent un bâtiment de police là-dedans. En bas la ville là tout, ils ont détruit la majorité bâtiments de police. Dans Badelma, c'est même réalité. Et comment vous pensez que la police, avec mission multinationale là, est capable de rétablir la sécurité, démanteler gang avec tout tableau ça que nous avons là et je veux dire. Déjà, personnellement, si j'ai un doute sur la capacité de mission en termes d'effectifs. Donc, avec nouvelle donne ça, nous avons là, côté la police li perdi en série de d'installation li te gagné côté que gen des zones qui échappé à contrôle et autorité policière yo côté que tout ou pral gen un conseil présidentiel qui pral prendre charge qui pral mandé pour une concentration d'efforts qui fait pour garantir sécurité chaque membre dans le conseil ça donc pour moi on mission qu'a gagné pour venir faudrait-il que yo ta redéfini concept d'opération t'es gagné un concept d'opération certes yo t'es chita solide donc faut que yo ta révisé concept ça
pour peut-être alimenter l'émission avec plus de monde, plus effectif et même plus matériel, même quand entre temps, Fanfator était dans une posture d'attentiste, oui, nous avons besoin d'aide. Et de fait, on peut le monde qui a dit non, nous n'avons pas besoin d'aide, pas dans le schéma ça, parce que sinon, même là, je pense qu'il va organiser les Jeux Olympiques, ça ou là, il fait appel à des policiers militaires étrangers pour venir dans le coup de main. Donc, oui, nous avons besoin d'aide. Il ne faut pas arrêter nos postures attentives en même temps, il faut gagner, il faut nous commencer à faire beaucoup de par nous. Et c'est bienvenu pour nous, parce que dernièrement, là, on a reçu un paquet d'équipements, et de la part des États-Unis, qui permet de nous aller bouffer d'air, et avec équipement ça, yo, et entre temps, pour t'ajouter un pays, pour être mission, ou bien déploiement fait, la police est supposée pour commencer à prendre des initiatives, adopter de nouvelles approches, ou au moins sanctuariser certaines zones. Et, même si certaines zones-là, vous voulez parler de le Balalu, l'initialance, etc. Qui leur était la police et équipement, monsieur, par contre, soit à faire référence avec le vol militaire là, il était de ces matériels non létals qui ont été portés pour PNH là. C'est matériel non létal, mais ça reste quand même des équipements. Parce que dans le genre d'affrontement, ça, oui, matériel létal, c'est-à-dire armes et munitions, il est important, mais matériel non létal, il est tout. Matériel de protection individuelle. Parce que faut. Justement, parce que ça pour nous considérer, c'est que matériel est périssable. Et de fait, la police a passé presque 2 mois à affronter le groupe criminel Sayo. Et presque s'arrêter. Donc, c'est sûr que le stock qui a été gagné a diminué considérablement. Monsieur Jamais, merci à vous d'être disponible pour le matin. Merci, Jean-Daniel. Et merci tout le monde. C'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Bonne journée.